à tous, bienvenue et heureux de vous retrouver donc pour cette émission Cultureo, votre nouveau rendez-vous littérature sur Drôme Ardèche TV, avec aujourd'hui 4 personnes, 4 interviewées, 4 personnalités exceptionnelles aujourd'hui dans votre magasin Culture et Loisirs d'Aubenas. Tout à l'heure, je recevrai à mon micro Guylaine Tédurand, Jean-Marie Simon et Michel Risserand pour un magnifique livre qui vient de sortir aux éditions Plume d'Ardèche, s'appelle Justin des Montagnes. Mais pour l'heure et pour le présenter, je vous invite à replonger dans vos souvenirs. Souvenirs qui datent d'environ 48 ans. Nous sommes le 26 septembre 1965 et un feuilleton télévisé français arrive sur le petit écran de l'ORTF et va émouvoir la France entière. Écrit et réalisé par Cécile Aubry, Belle et Sébastien racontent l'histoire d'amitié entre Sébastien, un jeune orphelin, et Belle, un magnifique chien blanc des Pyrénées. La réalisatrice met en scène son propre fils, Mehdi, qui va devenir très rapidement la petite coqueluche, la petite mascotte des foyers français. Alors, quelles sont celles qui ne sont pas tombées un jour amoureuses du beau Mehdi? Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, mesdames, risque de vous décevoir, c'est que Mehdi, depuis, a trouvé sa belle. Alors, je vous demande aujourd'hui chaleureusement d'applaudir et d'accueillir comme il se doit Monsieur Mehdi El-Glaoui. Voilà. Bon, je suis bien entouré, hein. Voilà. Bon. Magnifique. Alors, ça te plaît? Ah, super, magnifique. Comme neuve. Elle est neuve, d'ailleurs. C'est ton cadeau pour cet après-midi. Tu peux repartir dans le Pays Basque avec. Ouais, super. Enfin, je sais pas si monsieur sera d'accord là-bas, mais en tout cas... C'est vous le propriétaire. Beau travail, magnifique. Alors, tu as le choix, Mehdi, cet après-midi, soit de t'asseoir directement dessus, si tu veux. Non. Non, donc on va te mettre ici, je verrai. Je respecte la bête. Donc, voilà. Et super, je vais mettre derrière. Ah, voilà. Alors, c'est une triomphe des années... 70, elle est de 70. Et une T120, c'est ça? La R. Une T120, non, c'est une 750? 650. 650. Oui, refaites un 9. 110, T110. Une T100. Ah, le T101, il y a le T110. Voilà, T100, une T100, les scramblers. C'était des 500, ouais, les scramblers, ouais. Avec des pots de chaque côté. Voilà, les pots là, de ce côté. Ouais, c'est nous, hein. Bon. C'est un jeu technique. Ah, il est magnifique. Parce que, pour rappeler, Mehdi est un passionné des motos, notamment des Triumphs. Hein, c'est un peu ça. D'anglaises, en général. D'anglaises, c'est ça, de vieilles anglaises. J'aime les vieilles anglaises et les jeunes filles. Tu viens peut-être te mettre devant pour... Oui. Voilà. Ah, sinon, moi, je reste là. Ben, je me doute bien. Oh, tu peux t'asseoir là ou rester avec moi, c'est comme tu veux. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est hyper enchantés de recevoir aujourd'hui Mehdi. Mais c'est en plus, c'est une deuxième. C'est voilà. La deuxième fois que je viens au Benin. Venu l'année dernière, pour voilà. La sortie du livre. En mars. C'est ça, voilà. Donc il prend goût, Mehdi prend goût à l'Ardèche. Oui, d'autant que je connaissais. Évidemment. Un petit peu avant. On y reviendra tout à l'heure. Donc, évidemment, tu es avec nous cet après-midi bon, pour nous conter la belle histoire de Sébastien, sortie. Et puis également, la vidéo qui est sortie là très récemment. Du film, donc, du remake... La nouvelle version. De la nouvelle version, donc, de Nicolas Vanier. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ici même ou derrière votre écran. Alors, il faut savoir qu'on parle, c'est vrai, souvent de Belle et Sébastien, mais les premiers pas à la télé, c'était pas dans Belle et Sébastien. Non, c'était encore avant, c'était un truc qui s'appelait Polly, avec un petit poney. Un poney. Une crinière blonde. Et donc, c'était le grand début, puisque, effectivement, j'avais 4 ans, là. Et donc j'étais encore pistonné parce que c'était maman qui réalisait, qui avait écrit la série. Et d'ailleurs c'est grâce à Polly et à mes exploits, entre guillemets, avec ce cheval que j'ai continué et que j'ai fait Belle Sébastien. D'accord. Donc le rôle de Pascal dans Polly. Absolument. Voilà, donc c'était un tournage de 61-63. Oui, ça se passait dans le village où je suis né, quasiment. Donc j'étais avec... Il y avait tous les copains de l'époque et les voisins, tout le monde a participé à cette petite série qui a effectivement engendré ensuite beaucoup de choses. C'était la première réalisation de maman
Et à une époque où les jeunes femmes réalisatrices n'étaient pas très nombreuses à la télévision. Et donc c'est grâce à Polly que tout a démarré en fait, et que Belle et Sébastien a pu exister. Et ensuite, il y a eu plusieurs séries, etc. Et 117 épisodes de Polly. Oui, alors elle ne les a pas tous faits. Oui. Moi j'ai fait notamment le premier, le tout premier. Et ensuite, comme j'étais trop vieux, ce sont de jeunes enfants qui m'ont remplacé. Et il y avait toute une fratrie qui s'appelait les Di Napoli, qui m'ont remplacé. Voilà. Et au fur et à mesure qu'ils grandissaient, on prenait celui d'avant, etc. Ou celui d'après, plutôt. Donc c'était des épisodes de 30 minutes à l'époque. Ouais. Voilà, donc, et c'est vrai que c'était surtout les enfants à Noël, c'était souvent diffusé à Noël, les enfants de l'ORTF à l'époque. Bah, les polis ont été diffusés un petit peu tout le temps. Tous les jeudis, je crois, à l'époque. De 61 à 73. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que ça a été plus d'une dizaine d'années sur les écrans. Qu'est-ce que tu en gardes de cette époque, justement, de police ? Est-ce que tu as des souvenirs ? Parce que 4 ans, on peut dire... Non, je ne peux pas dire que j'ai des souvenirs très précis. J'ai des souvenirs quand je vois les images, parce que forcément, c'est un village que je connais très bien, puisque j'y habite encore. Et donc, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup de gens... d'un certain âge, qui viennent me voir en disant « Mais tu sais, j'ai tourné dans Poli, j'étais à côté de toi. » Et ça fait évidemment très bizarre parce que c'est des gens que j'ai perdu de vue très vite. Et plus de 60 ans après, enfin peut-être pas 60 ans, mais 50 ans après, des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais tu sais, on a tourné ensemble dans Poli, je faisais tel personnage, etc. » Donc c'est assez touchant, c'est émouvant d'être toujours au même endroit. En fait, je suis parti pendant très longtemps, je suis revenu à cet endroit-là en question. Et donc, du coup, ça renoue beaucoup de souvenirs, effectivement. Mmh. Mais même pour nous. Et le village n'a quasiment pas changé, d'ailleurs. Bien que ce soit en banlieue parisienne, c'est 45 km de Paris, et il est resté quasiment intact. D'accord. Alors, Belle et Sébastien, comment ça s'est tourné au départ ? Ta maman a eu l'idée de créer... C'est parti au départ d'une histoire que maman a écrite, effectivement. C'était un livre. Et puis... justement, grâce à Collier et ensuite à des producteurs, on lui a proposé effectivement de mettre en scène et sous forme de feuilleton cette série. Et donc, elle a dit « Ok, d'accord, mais ce sera avec mon fils ou avec personne d'autre. » Bon, voilà, donc le deal a été conclu et effectivement, j'ai fait un casting, j'ai passé des essais et finalement, on a... Les producteurs, voilà, c'est parti. Alors là, c'est le tout premier épisode de Belle et Sébastien. Et donc, ta maman comme narratrice. Edmond Beauchamp dans le rôle de César. Maurice Colby, Norbert. Jean-Michel Audin, le docteur Guillaume. Dominique Blondot, Jean. Pierre Massini, Bert. Albert Bagnan, Johanne. Paloma Matta, Angelina, avec Mehdi, Sébastien. Ah, j'entends les radars. Évidemment, le chien Belle. Quelque part dans les Alpes, il existe un petit poste de douane isolé, haut placé dans la montagne. Les quatre douaniers de ce poste... On va peut-être pas tout voir. Alors c'est vrai que c'est l'histoire d'amitié entre un petit garçon orphelin et son chien. Alors évidemment, c'était pas une chienne, hein. On sait que globalement c'était un chien qui s'appelait Flanguère. Voilà, pour des raisons esthétiques en fait, parce qu'il fallait un chien très imposant par rapport à la taille de l'enfant. Et du coup, c'est vrai qu'un mâle était beaucoup plus imposant, et donc du coup c'est devenu une chienne par le biais de l'histoire. Mais la réalité c'est que c'était un chien, c'était un mâle. Voilà, et aujourd'hui, Mehdi, nous avons l'immense plaisir également d'accueillir un chien, un montagne des Pyrénées qui s'appelle Eros. On va pouvoir applaudir bien fort, donc Eros va arriver. Voilà, c'est un peu ce chien, tu vas pouvoir, voilà, il est là, voilà. Ah, il est magnifique. Ah, il est beau, hein. Voilà, oh, vous pouvez l'applaudir, hein. Voilà. C'est vous, papa Néron ? C'est moi, ouais. Oui, c'est le papa. Bonjour. Magnifique, il est jeune, non ? Oui, 4 ans. Ah, il a 4 ans, ouais. Voilà, c'est un très très beau chien. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette race, un peu des... Il souffre pas trop de la chaleur, ça va ? Ah, si, beaucoup. Ouais. Les chiens qui ont besoin de bouger, hein. Alors, surtout un conseil d'amis, hein. Parce que ça c'est ce que dit Nicolas Vanier aussi pour la nouvelle version, c'est des chiens qui ont besoin de grands espaces, qui ont besoin de courir, c'est vraiment pas des chiens d'appartement ou d'endroits un peu réduits,
Donc il faut faire très attention quand on veut faire plaisir à un enfant. Il faut choisir un chien adapté au milieu dans lequel on vit. Donc c'est vrai que c'est un chien qui est surtout un gardien de troupeau par rapport à l'autre chien des Pyrénées qui est plutôt, lui, voilà, le chien qui va mener le troupeau. Non, tu connais pas trop, non, mais c'est un peu sur ce que je me suis renseigné un peu sur les, avec les éleveurs. Et bon, vraiment, c'est vraiment un gardien. Donc c'est vrai que c'est un magnifique chien. Donc, Oui, c'était les seuls chiens qui pouvaient lutter à l'époque contre les loups, parce qu'il y avait beaucoup de loups. Mais c'était des chiens tellement imposants qu'effectivement, ils arrivaient à garder les troupeaux en éloignant les prédateurs. Donc Flanker, on apprend qu'il est mort relativement jeune. Oui, il est mort, il avait 5 ans, je crois. C'est ça, c'était vraiment tôt, effectivement, et donc il est mort d'empoisonnement, donc on ne sait pas vraiment s'il a été empoisonné volontairement ou pas, donc ça reste un mystère, mais enfin bon, on soupçonne quelques jalousies. C'est ça. Ouais. Et donc il a été remplacé par Yalov. Oui, c'est ça, mais disons que le rôle du chien était moins important dans les autres épisodes, et de moins en moins, au fur et à mesure qu'on avançait dans les épisodes, notamment dans la Marie Morgan, il n'y a quasiment pas de présence. Oui, parce que bon, on rappelle, c'est vrai que Belle et Sébastien, mais il y a eu ensuite Sébastien parmi les hommes, diffusé à partir de février 68. Ça, les dates, oui. Non, mais voilà, février 68. Et on a, à partir de 70, Sébastien et la Marie Morgan. Hein, donc on a cette, quand même de 65 à 70, Belle et Sébastien, enfin Sébastien surtout. Et c'est vrai que dans la Marie Morgan, on n'a plus tellement le chien présent. Non, parce que c'est une histoire qui se passe en Bretagne, il y a un personnage extraordinaire qui joue mon oncle, qui est Charles Vanel. Et donc, effectivement, en plus, je grandissais, j'avais 12 ans. Donc, on se détache un petit peu de l'enfance pour aller vers une histoire un petit peu plus grave, un petit peu plus complexe. Quelle était justement cette relation avec Charles Vanel? Quel était le comment on tourne avec ce grand monsieur du cinéma? Pour moi, c'était une révélation. Je ne connaissais évidemment pas sa carrière, qui était immense déjà à l'époque. Mais voilà, c'était un monsieur qui avait un grand, grand charisme, qui m'a ouvert les yeux sur ce métier, qui m'a donné envie de faire ce métier. Et qui n'était pas très causant d'ailleurs, hein, qui ne parlait pas beaucoup. Mais qui, par sa simple présence et son charisme, je ne peux pas trouver d'autres mots, m'a apporté vraiment quelque chose et j'ai compris, j'ai eu envie de faire ce métier et je me suis dit voilà, c'est... jusqu'avant je considérais ça comme des vacances ou en tout cas comme un métier plutôt rigolo et sympa et j'ai découvert avec Charles Vanel que c'était quelque chose de très profond, qu'il fallait chercher en soi ses propres expériences pour jouer la comédie et Charles a été pour moi un modèle. Voilà. Il y a pas mal d'anecdotes justement dans le livre, on va pas tout dévoiler non plus pour que nos amis présents aujourd'hui puissent découvrir aussi un peu le... Alors ce livre, c'est vrai que ce que j'ai tout de suite été vraiment marqué, c'est l'idée de retourner dans cette malle et de ressortir les lettres. Ça, c'est extraordinaire. Ça s'est passé d'une façon un petit peu accidentelle, c'est que bon, ma maman est décédée en 2010, donc j'ai récupéré le moulin qui était sa maison dans laquelle je suis né, donc où j'ai habité jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc j'avais quitté cette maison depuis très longtemps, et voilà donc de retour dans cette maison, et il a fallu faire un peu de ménage. Et en faisant le ménage, on a découvert un endroit où il y avait des sacs entiers de la poste, remplis de lettres de fans, et certaines malheureusement auxquelles on n'avait jamais répondu, qui n'étaient même pas encore ouvertes. Donc j'ai eu l'idée de rouvrir ces sacs, d'ouvrir certaines lettres, j'ai pas pu lire toutes les lettres bien entendu, et de répondre 40 ans, voire 50 ans après, à des questions qu'on me posait à l'époque, ce qui donne un petit décalage amusant entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, et faire un parallèle entre justement, et un lien entre toute une carrière, enfin la mienne en l'occurrence, et qu'est-ce qui s'est passé justement en 40 ans, et qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ces jeunes années et ensuite. Est-ce que c'était difficile par la suite de se détacher justement de ce personnage de Sébastien, puisqu'après derrière Sébastien il y a eu le jeune Fabre. Oui, c'est-à-dire que jeune Fabre déjà c'était un personnage totalement différent. Oui. Je grandissais et donc du coup je ne pouvais plus jouer Sébastien éternellement. Hein. Donc pour moi c'était important de changer de personnage. Et j'ai même voulu à un moment abandonner le métier de comédien parce que le personnage de Sébastien me collait un peu trop à la peau. Donc je suis devenu assistant réalisateur, je voulais réaliser.
Et donc j'ai fait mes classes, j'ai appris mon métier comme réalisateur, ce qui m'a permis de revenir au métier de comédien d'une manière complètement différente, beaucoup plus professionnelle, parce qu'en fait, ce qui me manquait, c'est d'avoir un bagage professionnel, et je l'ai acquis en étant assistant pendant des années, avec Yves Robert notamment. J'ai rencontré des gens formidables comme Jean Rochefort, comme Catherine Deneuve, enfin bref, j'ai travaillé auprès de grands professionnels, ce qui m'a formé en fait, ce qui a été mon apprentissage, et du coup j'ai réussi à aborder ce métier de comédien totalement différemment, et notamment par le biais du théâtre, qui est vraiment l'école même du métier d'acteur. Pour revenir un petit peu sur cette période Belle et Sébastien, il y avait une chanson, L'Oiseau, chanson merveilleuse, et en grattant justement un petit peu sur Internet, on entend la voix de quelqu'un. Vas-y, tu peux mettre un peu plus fort. Mais je savais pas qu'elle allait chanter. Tu sais pas ? Extraordinaire ce moment. Ça me suit, non, je savais pas du tout. Tu savais ? Est à côté. René Simard. Qui en 71 donc chantait ce titre et qui se retrouve en 88 à côté de Céline Dion. J'ai jamais vu ça. Donc voilà, on apprend quand même que des grandes voix. On découvre des trucs incroyables sur Internet. L'une des plus grandes voix du monde, Céline Dion, chantait L'Oiseau. Formidable. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Et c'était un petit clin d'œil. J'aurais pas fait mieux. Le jeune Fabre. Ah oui, avec Véronique Jeannot. Qu'est-ce que j'ai pu être jaloux. Alors tous les garçons étaient amoureux de Véronique Jeannot. Évidemment. Donc, toutes les filles détestaient Véronique Jeannot. Tous les garçons détestaient. Voilà, Mehdi dans Le Jeune Fabre. Voilà. Et... chanté évidemment par Demis Roussos, la bande originale. Alors on apprend quand même des choses intéressantes dans le livre, puisque bon, c'est pas un secret, mais Mehdi a vécu une romance avec Véronique Jeannot. Oui, une petite aventure. Oui, sauf. Bien normal. Sauf quand même que Véronique Jeannot a quand même dit dans une biographie qu'elle avait connu l'infidélité avec Mehdi. Voilà. Bon, il y a prescription maintenant. Il y a prescription. Là, donc, Les motards, ça les fait marrer. Donc, c'est pareil, c'était 13 épisodes. En plus, pour en revenir à l'infidélité, je ne voudrais pas dire, mais Véronique s'est bien rattrapée. Tu continues de voir Véronique Jeannot? Oui, absolument. Oui, on s'est vu il y a encore très peu de temps. Bah, c'est une fille formidable qui est passée par pas mal d'épreuves. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la vie de Véronique Jeannot. Elle a eu malheureusement un cancer assez grave, dont elle s'est très bien sortie d'ailleurs. Et comme quoi on peut s'en sortir. Et surtout, c'est une fille qui a une intériorité formidable, qui a vraiment. Qui est dans le bouddhisme, etc. Alors moi, personnellement, je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout bouddhiste, je ne crois en rien de ce côté-là. Mais voilà, ça lui donne une sagesse, elle donne une gentillesse, une ouverture sur le monde et sur les gens qui est formidable. Et c'est une fille vraiment, vraiment très attachante, voilà, qui encore aujourd'hui n'a pas la grosse tête, qui aborde ce métier de façon calme et intelligente. Alors, le jeune Fabre va mettre fin à une collaboration avec ta maman. Oui, c'est tout à fait. C'était un peu naturel, c'est-à-dire que j'arrivais à un âge, d'abord on est un petit peu rebelle, et puis je commençais déjà à aimer la moto, et donc je me suis servi d'une moto pour pouvoir m'échapper de toute cette vie que je n'avais pas forcément choisie. Et donc j'ai effectivement évolué, j'ai fait des voyages, et puis j'ai orienté ma carrière vers l'assistanat et vers la mise en scène, ce qui m'a permis, comme je le disais tout à l'heure, d'aborder ce métier totalement différemment. Mais j'avais un besoin express de quitter ce monde, entre guillemets, et notamment ma maman qui était une présence très, très envahissante, on va dire, et très protectrice, trop.
Et donc voilà, j'étais le contraire d'un Tanguy, quoi. En gros. Donc c'est... Parti à 17 ans. Donc c'est le Maroc. Oui, j'ai fait un tour du Maroc en moto, qui a mal fini, qui a fini dans un ravin, avec une BM 96 pour les puristes. Et puis, voilà, je n'en ai pas voulu, elle avait 4, je l'ai retapée et j'ai continué avec elle. Et puis voilà, et c'était important pour moi, effectivement, de connaître l'autre partie de ma famille, que je ne connaissais absolument pas, puisque j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère française. Et donc, j'ai 50% de moi du Maroc, et donc pour moi, c'est important de connaître mes racines. Et ensuite, j'ai vécu ma vie, j'ai passé des années dans le Cantal, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est un endroit rustique et rude, surtout l'hiver, mais un peu proche d'ici d'ailleurs, hein, c'est pas très loin, et c'est surtout dans l'esprit, et c'est la campagne, c'est des gens rudes qui travaillent, des travailleurs, et des gens qui ont les pieds sur terre. Et quand vous venez d'un milieu un petit peu favorisé, comme c'était mon cas, ça m'a fait beaucoup de bien de remettre les pieds sur terre et de voir des vrais gens. La moto, on en reparle, parce qu'il y a un feuilleton qui va être tourné pas loin d'ici. Absolument, Alba la Romaine. Alors un feuilleton, comme tu dis d'ailleurs dans le livre, un titre improbable, passé au mixeur d'Audiard, Moto Revue et Claude Sauté, un sacré cocktail. Ouais. C'était Kick Raoul, la moto, les jeunes et les autres. Alors c'était effectivement le titre. Vous allez reconnaître Alba la Romaine. Qui est malheureusement décédé. Oui, bien sûr. Bonjour. La musique de Mario Dalba. Mario Dalba, incroyable, on n'aurait pas fait exprès. Évidemment. Qui est aujourd'hui l'époux de Stone. Absolument. Voilà. Donc, Alors, ça, c'était un souvenir incroyable pour le motard que j'étais, je suis encore. C'est que à la fois on était payé pour faire de la moto et en plus on a rencontré des gens formidables comme Prébois. C'était Marc Signon qui réalisait, qui est un des fils du célèbre auteur Signon. Et voilà, on ne pouvait pas rêver mieux que à la fois tous les soirs on avait un entraînement avec des champions des écuries qui prêtaient les motos. Donc c'était le bonheur, on a progressé énormément, on s'est bien ramassé la gueule aussi de temps en temps. Mais voilà, pour moi c'était un tournage absolument incroyable puisque ça a allié à la fois ma passion et mon travail. Donc c'est là où tu as découvert l'Ardèche. Absolument, oui, c'est la première fois que je mettais les pieds en Ardèche. C'est magnifique par là, c'est un peu plus loin qu'ici. Donc Alba la Romaine, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-François, la vallée de Libye. Ouais. Hein, donc c'est vrai que c'était dans les années 80, hein, le 15 mai 80. Ça, ouais, c'est loin. Ça fait loin. Avec Catherine Le Prince, très jolie comédienne. Oui, Catherine. Prince, il y avait Charlotte Valliard, il y avait... Frédéric Despascual qui est décédé, ouais, très jeune. Oui, Mylène de Mongeau, voilà. Et le fameux Paul Prébois. Ouais. C'était un scénario assez simple en finalité. Ah, c'était plus que simple. C'était très simple. C'était très simple, mais bon, voilà, c'était des aventures de jeunes gens issus de milieux très différents qui avaient une passion en commun, qui était la moto. Et c'était une époque où on avait le droit de rouler un peu n'importe où, à travers les vignes, à travers les champs, à travers les forêts. Maintenant, c'est un petit peu plus réglementé, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Mais voilà, c'était une époque où la liberté était totale pour les gens adeptes de moto. Alors on apprend également que dans le livre que tu as tourné avec Jane Birkin. Oui. Et il y a une anecdote qui est bien. Une anecdote qui est assez intéressante où tu as une scène un peu un peu plus chaude, hein, avec Jane Birkin. Ah, j'étais carrément à poil, avec Jane Birkin. Et qu'est-ce qui se passe avec Serge Gainsbourg? Ce qui est marrant, c'est que Serge Gainsbourg a toujours été très très amoureux de Jane, et donc du coup il l'accompagnait partout sur ses tournages. Et là, il était au courant qu'il y avait une scène un peu chaude ce jour-là. Évidemment, il était là et il était en coulisses et il m'a mis la pression en me disant « Tu sais que tu es avec ma femme. Fais très attention. » Voilà, en gros. J'étais mort de trouille déjà, j'avais quoi, 18 ans à peine, et
de me retrouver au pieu avec Jane Birkin. Mais en plus de ça, quand vous avez le grand Gainsbourg qui vous menace, ça fait très peur. Voilà. Non, mais ils étaient tous les deux très charmants et ça a été pour moi l'occasion de rencontrer Gainsbourg qui était un génie quand même dans son genre. Il y a eu aussi un amour de pluie, Jean-Claude Brialy. Un amour de pluie où j'ai eu la chance d'avoir une scène avec Romy Schneider. Mmh. Là aussi, c'est des souvenirs dont on se remet mal. Parce que voilà, c'était une actrice extraordinaire, très très impressionnante, et qui était en plus à cette époque-là dans une période difficile. Donc voilà, c'est des souvenirs d'acteurs. Moi, je suis une vraie midinette, hein, je suis comme tout le monde. Quand je vois des acteurs, ben, je suis fan ou pas fan, mais en tout cas, c'est toujours impressionnant. Et quand en plus on a la chance d'avoir une scène ou deux avec ces personnes en question, c'est d'autant plus formidable. Ensuite, tu es passé derrière la caméra, tu as fait des courts-métrages. Oui, j'ai fait plusieurs courts-métrages, dont un qui a gagné un César en 85, mmh. avec André Dusselier et Francis Huster. Il y a un très joli mannequin qui s'appelait Et Stop. Le gagnant est Première classe de Mehdi Elglaoui. Et tu n'étais pas là donc ce jour-là? Non, je ne pouvais pas être là. Alors, c'est mon auteur, Marc Sio, qui est venu chercher le César. Qui a fait un très joli discours d'ailleurs. Et j'étais au théâtre, en fait, je jouais avec Marc Villalonga. Et alors pour ce court-métrage, ce qui est intéressant, c'est que... Ce César avec joie, on va l'écouter. La part du Mehdi qui n'a pas pu venir ce soir puisqu'il joue au théâtre. Et je suis l'auteur de Première classe et je suis vraiment très, très content et très ému. Et je remercie en son nom toute l'équipe technique et tous les comédiens qui ont joué gratuitement et interprété ce court-métrage. Merci beaucoup. Ah, vous pouvez l'applaudir, César. Ah, il a fait un discours plus long et plus intéressant. Donc effectivement, je jouais au théâtre. Donc du coup, je n'ai pas rencontré René ni cette charmante jeune fille dont j'ai oublié le nom, qui est Marjka Detmers, qui était sublime jeune fille. On apprend dans le livre, la belle histoire de Sébastien, la rencontre avec Jean Rochefort. Il y a un joli tacle quand même. Oui, bah, Jean est un être charmant et surtout un acteur extraordinaire, tellement extraordinaire que je voulais Jean Rochefort dans mon court-métrage. Je voulais d'autant plus que j'avais eu la chance de travailler avec lui comme assistant réalisateur sur Courage Fillon, le film d'Yves Robert. Et donc je l'avais rencontré pendant presque 3 mois et donc tout s'était bien passé. Et donc je me suis dit, j'ai fait mon court-métrage à peu près un an et demi ou voire 2 ans après. Et donc je me suis dit, j'aurais aucun souci, Jean Rochefort acceptera ma proposition. Et malheureusement, il a refusé. Et donc du coup, j'étais un petit peu vexé quand même, parce que j'étais sûr qu'il allait le faire. Mais du coup, j'ai trouvé un acteur formidable qui était André Dussolier. Et j'ai eu la chance de gagner ce César, et au dîner des Césars, qui a lieu après la remise des prix, qui se trouve au Fouquet's. Après le théâtre, je me suis rendu au dîner, et j'ai croisé... Donc Jean Rochefort, et j'ai pas pu m'empêcher de venir avec mon César et de lui dire, ouais, même sans vous, j'ai réussi à avoir un César. Voilà. Il y a une réponse à ça. Oui, il est très laconique, il m'a dit, bah, c'est bien mon grand. Ça s'est arrêté là. Il y a eu d'autres films, après il y a eu en 2008, Un point c'est tout, enfin il y a eu Mao est mort, un court-métrage, donc, ouais. Hein, puis après le théâtre, en 2008, Un point c'est tout, Laurent Baffy. Voilà, une grande expérience d'abord parce que... on a joué dans un magnifique théâtre, qui est le Théâtre du Palais Royal. Théâtre où j'ai rencontré mon épouse, d'ailleurs, qui jouait juste après moi. Et donc, voilà, grâce à M. Baffy, je me suis marié. Merci Laurent. On va revenir un peu sur ce remake de Belle et Sébastien, ouais. Parce que c'est un peu, je dirais, le début de ce livre. On y parle, évidemment, de ce répondeur, ce producteur. Oui, donc il y avait des projets, hein. il y a eu depuis beaucoup de temps des projets, et puis finalement ça s'est jamais fait parce que maman était totalement opposée à tout remake de son œuvre. Et puis malheureusement, quand maman est décédée, bah, on a découvert que les droits appartenaient à Gaumont, et donc Gaumont a commencé à mettre en place un remake réalisé donc par Nicolas Vanier, et donc le producteur m'a contacté pour savoir ce que j'en pensais, donc j'avais rien contre, a priori. Mais il a eu la gentillesse de proposer un petit rôle, qui est le rôle d'André, donc un forestier. Et alors ça m'a rappelé justement mes années Cantal, parce que c'est un
garçon un peu rustique, hein, le André en question. Et donc j'étais ravi de faire ce personnage. Je me suis inspiré de gens que j'avais rencontrés dans le Cantal notamment. Et j'ai essayé de lui donner le plus de vérité possible. Et en tout cas de changer mon personnage. Quoi. Voilà. Alors la rencontre avec le clone, l'autre Sébastien, deux Sébastiens qui se rencontrent, ça fait quoi comme rencontre? C'est pas un clone, hein. C'est le petit Félix, il a ses personnalités. Ouais. C'est un Sébastien des années 2000. Quoi. Qu'est-ce qui change justement? Ça c'est pas à moi de le dire, faudra demander aux gens qui ont vu le film et qui... Moi j'étais tout à fait pour l'idée d'un remake parce que je pense que il y a plein de nouvelles générations qui connaissent pas Adèle et Sébastien et qui ont le droit aussi d'avoir une nouvelle vision de cette série. Et puis pour les plus anciens, moi je reste le Sébastien d'origine et puis on a le droit aussi d'avoir des interprétations et le petit Félix est assez, à mon sens assez différent de moi. En tout cas de ce que j'étais à l'époque. Mais en même temps, il renouvelle le genre, il modernise un petit peu le personnage, et il a un petit côté manga qui est assez marrant. C'est un personnage, en tout cas, Félix Bossuet, qui joue le nouveau Sébastien, est un garçon très carré, très, très ordonné, qui connaissait bien son texte, qui savait où se placer, etc. Ce qui n'était pas du tout mon cas à l'époque. Moi, j'étais assez bordélique. Et voilà, c'est deux personnalités différentes. Et finalement, le résultat le film qu'a fait Nicolas Vanier, personnellement, je le trouve très réussi. Et c'est un très joli film. Quoi. Une actualité, des projets? Alors, avec mon épouse qui est comédienne, on va jouer en 2015 en tournée, une jolie pièce à deux personnages, qui s'appelle Une heure et demie de retard. Et donc, c'est pour moi très important de jouer au théâtre, et notamment avec mon épouse. Pour moi, le théâtre, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'essentiel du métier de comédien. On ne peut pas tricher, on ne peut pas répéter, on ne peut pas recommencer. Si on se rate, on se rate. On fait tout pour ne pas se rater. Et puis, on est très aidé par le public qui est là. D'ailleurs, Virginie, qui peut venir justement. Voilà, vous pouvez l'applaudir, Virginie. Voilà. Envie d'ajouter quelque chose à ce que disait Mélie par rapport à cette... Oui, alors, voilà, bien, bah, évidemment, je me doute bien. Je vais... Bonjour. J'avais les dos, maintenant j'ai les visages. Hein, je sais bien. Oui, il est peut-être même question qu'on vienne dans la région... C'était surprise. Ah, c'est bien. Bon, c'est raté. Bon, voilà, donc... Jouer la pièce de Jandel et Gérard Siperas, donc une heure et demie de retard, un couple invité à dîner. Ils vont avoir une heure et demie de retard, tout le monde peut se reconnaître, hein, parce que forcément, voilà. C'est pas que de la vanne pour de la vanne, c'est vraiment un comique de situation, c'est un vrai régal, un vrai petit bijou. C'est une pièce qui a été créée en 2005 au Théâtre des Mathurins à Paris, jouée par Patrick Chenet et Evelyne Buil. Voilà, donc on a le grand honneur tous les deux de jouer ça, donc c'est chouette, on va pouvoir s'engueuler sur scène. Qui n'arrive jamais. Voilà, donc oui, on est très excités à l'idée de partir en tournée, voilà. On démarre au Théâtre des Vians en août 2015. D'accord, il y aura donc un passage, on a un peu parlé, en Ardèche. Oui, parce qu'en fait, on s'est fait adopter par Jacques Boucher, je ne sais pas où il est. Jacques Boucher, il est là-bas. Voilà, donc c'est notre papa d'adoption. Donc maintenant, au Bonas, c'est notre seconde maison. Hein. Ça fait deux fois qu'on vient, jamais 203, donc voilà. Hein, Jacques? Bon, je repasse le micro à Mélie. Pas plus dire. Virginie, vous avez pu avoir, dans le plan des divorcés, une pièce qui appartenait... depuis des années, ça fait 10 ans que ça se joue. Et elle n'a pas fait la version télévisée, mais elle a joué au théâtre. Et si vous êtes venu à Paris voir le plan des divorcés, elle a joué dedans. C'est une pièce que je n'ai jouée que 1500 fois, donc... Si vous l'avez ratée, c'est vraiment vrai. Alors vous partagez votre vie entre Paris, le Moulin, et le Pays Basque. Pourquoi le Pays Basque? Moi, je suis tombé en amour du Pays Basque parce qu'il y a la mer, la montagne, l'Espagne. Et voilà, ça aurait pu tomber sur l'Ardèche aussi. Hein, mais voilà, il se trouve qu'on a une petite maison là-bas et on est très très heureux là-bas. Et on a un beau projet, on voudrait créer un théâtre, trouver un lieu dédié à la comédie, à la rigolade pure. Parce que ça manque un peu là-bas, on a des très beaux théâtres, mais ce sont des théâtres d'État, enfin disons, avec des programmations tout à fait officielles. Et nous, l'idée, c'est de créer une sorte de petit café-théâtre, pas trop de monde, pas trop de place, mais un lieu convivial. Et voilà, on est à la recherche du lieu pour essayer de monter ça dans un ou deux ans. Voilà. C'est bien.
qui sont impatients, je suppose, ouais, je pour voilà, signer les livres. Juste avant, petit cadeau. Ah. Je vais donner à Mehdi celui-ci. Attends, t'en as un aussi pour toi. Voilà. Ah bon. Voilà, Virginie, un partenaire, marque de d'habits qui s'appelle Rich Evan, qui est une marque française. Et Nougat. C'est, non, c'est bizarre. Hein, voilà. Pas du Nougat. C'est, voilà. Alors, c'est du Nougat Ardéchois, d'un petit artisan qui s'appelle Le Petit Ardéchois. Vous trouvez pas que j'ai pas besoin de Nougat, voilà. C'est une pin-up. Voilà, c'est le côté un peu motard. J'ai trouvé qu'il était joli. Ah ouais, ah, c'est sympa, hein. Donc voilà, donc, ben, c'est surtout, je sais pas si... Il est où? C'est qui? C'est Cyril. Cyril, ben, viens Cyril, viens, viens, voilà Cyril. Ah, c'est cool. Magasin. Oh, bah, je veux mettre. Voilà. Magasin d'habits sur Aubenas, qui représente la marque Rich Evan. Voilà, donc, voilà. Donc il a pensé cette semaine, j'ai vu, il a dit, tiens, tu offriras un t-shirt à l'épouse de Mehdi. Voilà. Voilà, donc je vous laisse en compagnie ben voilà, de vos fans, tous les deux. Ben, merci d'être venus, en tout cas, et d'avoir eu la patience de nous écouter. Et puis, ben, je suis à votre disposition pour... Donc voilà, donc la table de dédicace se trouve là-bas. Seconde interview de l'après-midi, nous aurons les auteurs, les co-auteurs, le photographe d'un magnifique livre sorti aux éditions Plume d'Ardèche, Justin des Montagnes. C'est juste là maintenant, donc pour celles et ceux qui souhaitent venir rencontrer les auteurs. Merci Virginie, merci Mehdi, et à tout à l'heure. Et bien voilà, nous sommes très heureux cet après-midi d'accueillir au magasin Culture et Loisirs les deux co-auteurs et le photographe de ce magnifique livre sorti aux éditions Plume d'Ardèche, Justin des Montagnes. Donc nous avons l'immense plaisir d'accueillir Guylaine Tédurand, Jean-Marie Simon, Michel Rixouan, avec un livre donc qui est sorti il y a très peu de temps, je suppose. Oui, il est sorti il y a un mois exactement. D'accord, un mois exactement. Alors, comment pourrait-on vous présenter, Guylaine? On apprend une multitude de choses sur vous. On apprend que vous avez été, vous avez eu un prix de comédie moderne à 16 ans en sortant du conservatoire de Nîmes. Oui. Voilà, vous êtes arrivé à Privas, vous avez tenu une bibliothèque de quartier. Puis ensuite, il y a eu quoi? Le virus du conte? Oui, c'est quand j'étais dans cette bibliothèque que m'est venu le virus du conte, exactement, parce que j'avais affaire à des enfants très difficiles dans les quartiers. Et j'ai trouvé par le biais du conte, à l'époque c'était les contes de l'Incertémir, où j'ai pu retenir l'attention de ces enfants en difficulté. Et à partir de là, je suis rentrée dans le domaine, dans la forêt des contes, comme on appelle. Je suis tombée dans la marmite. Donc c'était en 1988, donc c'est pas... Non, c'était venu avant, c'était vers les années 80. D'accord, les années 80. Et donc depuis, qu'est-ce que vous... Et depuis, j'ai jamais cessé de raconter. Donc voilà, donc vous êtes conteuse professionnelle, vous exercez en Ardèche, oui, essentiellement. Essentiellement, puis dans d'autres départements, dans ce mouvement de raconter des histoires, si on me programme, je viens avec plaisir. D'accord. Jean-Marie Simon, alors vous êtes un personnage connu en Ardèche. Vous êtes écrivain, ethnoconteur, et vous aimez vous présenter comme un allumeur d'histoire. Alors, c'est quoi un allumeur d'histoire? Je travaille en fait avec le feu, hein, comme tous les anciens conteurs autrefois d'éveillés, mais aussi c'est pour me démarquer un peu dans la mesure où je ne reprends pas des contes traditionnels. Je vais vers les gens, je vis avec eux, je partage, et à partir de ce partage, je réécris des histoires, des souvenirs qu'ils m'ont donnés. En fait, je suis un voleur de feu, plus qu'un allumeur d'histoires. Mais quand on raconte des histoires, on vole toujours quelque chose à quelqu'un, et souvent on lui vole le meilleur de lui-même. Alors vous avez été lauréat de nombreux prix de poésie, vous avez également publié chez Bois d'encre, Instantané marocain et Barkhane de la nuit, mais également Rendez-vous à Tendrara et Contes de mes trois communes chez Thierry Magnier éditeur. Oui. Vous animez également des contes au Maroc, vous avez vécu jusqu'en 1987, et vous travaillez actuellement sur un écrit qui mêle le conte original avec le roman. C'est tout à fait ça, oui. Je travaille sur deux continents, puisque une partie de l'année, je raconte et j'accompagne des voyages organisé dans le désert marocain en racontant des histoires. Et puis une partie de l'année, je suis au Roux
qui est le village du Jean Fargier, qui est le modèle de Justin. J'étais le voisin de Jean. Et je porte aujourd'hui la casquette de Jean Fargier. Très bien. Michel Richouan, vous êtes le photographe de ce livre. Alors vous êtes un pur Ardéchois, vous le revendiquez. Vous dites d'ailleurs que vous ne pouvez pas vous passer pour travailler de ce beau pays que vous aimez évidemment photographier. Donc, parlez un petit peu de cette identité de photographe. Ah, ben ça, c'est un bon sujet, ça. Identité de photographe, eh bien, disons que moi, ouais, la photo, je la fais depuis... Enfin, je dirais pas que depuis le berceau, mais pas loin. Et c'est toujours, c'était dans ma peau, et je crois que moi, j'ai pas l'impression de me lever le matin à aller travailler, mais... C'est plutôt un plaisir tous les jours de se déplacer, d'aller dans les endroits que je connais, mais que je revois toujours avec un certain œil, souvent différent. D'accord. Et pourtant, j'y suis allé X fois, mais jamais c'est le même regard qu'on a sur ces paysages, sur ces villages, sur les gens même, c'est pareil. Donc moi, c'est un travail, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis photographe, donc avec des hauts et des bas. J'ai tenu un magasin, j'ai arrêté le magasin, maintenant je fais que des reportages, je suis auteur photographe, donc j'aime bien le préciser, je suis ni artisan ni commerçant, et je fais essentiellement du reportage et de l'illustration pour les livres, donc je suis déjà à peu près à mon 15e livre sur Ardèche. Voilà, donc c'est vraiment un réel plaisir tous les jours de se lever et d'aller voir l'Ardèche. Alors comment est née cette idée de ce livre ? Qui veut répondre ? L'idée de ce livre est venue d'une demande du parc. Donc à partir de là, c'était d'un travail de personnes, d'ethnologues exactement. Et le parc a demandé à l'association Couleurs de mots à l'époque de pouvoir créer, d'éveiller un spectacle à partir de ses écrits. Et lorsqu'on a eu les écrits en main, il nous a semblé très important de pouvoir faire notre propre collectage et afin de créer cette soirée conte. Ça a commencé comme ça. Donc ça commence par un conte, ça se termine par un livre. Oui. Alors c'est vrai que ce livre, quand je l'ai eu dans les mains, j'ai presque regretté d'être en été, sous un soleil de plomb. J'avais presque envie d'avoir ce livre à l'approche de l'hiver. Une cheminée de feu de bois, des châtaignes dans le feu, et puis le silence absolu, et m'entendre lire ces contes. Parce que c'est vraiment un peu ce que l'on... Voilà, dès qu'on ouvre ce livre, qui nous envahit de tristesse immédiatement, puisqu'on apprend dès les premières phrases que Justin n'est plus de ce monde. Et vous racontez justement les premières paroles, c'est un peu voilà, son décès. Comment est venu ce personnage de Justin et voilà, Jean-Marie ? Justin était mon voisin. Hein. J'habite Le Roux, dans un tout petit village de la montagne ardéchoise, célèbre pour le trou de sa sainte dans lequel il convient de mettre le doigt. Et je vous y invite d'ailleurs. Hein. Et Justin était mon voisin. Vous savez que Le Roux, comme beaucoup de ces villages d'Ardèche, voit sa population disparaître peu à peu. Les jeunes gagnent la plaine et les vieux gagnent le cimetière. Mais Justin, Jean Fargier, nommons-le, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, Jean Fargier était mon voisin. Et j'ai passé de longues soirées avec lui à regarder « Question pour un champion !» Et après, autour d'un verre de son affreuse piquette, maintenant il est au ciel, donc je peux me permettre de le dire, ça ne lui sera pas rapporté, mais autour d'un verre de son affreuse piquette, eh bien j'écoutais ses souvenirs d'enfance. Et il faut dire que le livre commence par la mort du Justin, mais je tiens à bien affirmer que c'est une façon de revoir toute sa vie entre le rire et la tendresse, et tant pis pour le suspense, mais à la fin, Justin ressuscite parce qu'il est absolument increvable. Tout comme l'Ardèche. Donc, ne pensez pas que c'est une veillée mortuaire, pensez que c'est une longue marche vers la résurrection, de conte en conte,
de rire en tendresse. Guylaine voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire que c'était très important parce que Jospin, c'est le fil conducteur qui nous a mené énormément d'histoires. Mais il y a eu beaucoup de rencontres, et des rencontres absolument merveilleuses parce qu'il y a des histoires d'autres personnages. Absolument. Et ça, il ne faut pas les oublier. Et c'est à l'écoute de ces gens où on a pu collecter toutes les histoires de Jospin. Donc voilà. 25 contes. C'est ça ? Entre le réel, l'imaginaire ? Eh bien, des fois, on ne peut pas l'inventer. Hein. Des fois, le réel est mieux que l'imaginaire. Ouais. Mais là, notre travail, à nous, ça a été vraiment d'écouter ces gens-là. Et il y a eu des pépites. On allait chez eux, on les écoutait pendant parfois plusieurs heures. Et tout d'un coup, il y avait là, ça durait quelques fractions de seconde, une pépite. Et le conteur prend cette pépite et il écrit un conte. Voilà. Il écrit des... Par exemple, comme Nadette, la pelote de laine, enfin, etc. Et on se réunissait le soir et on écrivait toutes ces histoires qu'on avait entendues et qui nous avaient émerveillées. Comment est née votre collaboration, tous les trois ? Moi, je suis la pièce à porter. Mais on s'est connus, c'est Jean-Marie qui m'a... Et bien, ça s'est passé, finalement, on s'est vu au Salon du Livre à Saint-Martin-d'Alsace. En fait. À l'époque où vous avez sorti l'Ardèche des Prévôts, était venu me voir en me disant que tu avais des histoires que tu aurais bien les principes sur le livre, d'avoir être illustré par des photos. C'est parti comme ça. Et c'est tu t'en rappelles ? Ouais. Voilà. Et puis bon, il y a eu un certain temps qui s'est passé, même peut-être des années. Et puis de là, il m'a invité à aller voir Jean au groupe directement. Donc la première fois, on a plutôt posé, on a fait des photos. Plus de aussi sa piquette. Voilà. Il vient parler, et puis après on est convenu d'un rendez-vous pour faire les photos du jour, un peu plus tard. Bouteille de Carthagène. Voilà. Donc, et ce que je regrette, c'est que j'ai connu Jean un peu trop tard, c'est-à-dire qu'il n'y a que les photos de lui dans sa cuisine. Oui. Il n'y a aucune photo, je pensais après avoir le temps de le prendre à l'extérieur. Parce que, vous n'avez pas eu le temps. J'avais pas eu le temps de le faire. De par le finaliser, le départ, il est décédé juste là. Voilà. Alors, il a eu connaissance qu'il y avait un livre. Oui, il savait que je venais le prendre en photo parce qu'on avait décidé que c'était pour le livre. À l'époque, il s'est passé pas mal de temps pendant que, voilà, que le livre prenne cette forme. Voilà. Comment s'est décidé 25 contes ? Je suppose qu'il y en avait bien d'autres. Comment on fait le choix ? Est-ce que c'est un choix très difficile à faire ? Est-ce qu'il y a eu des tensions entre vous de se dire, voilà, tel conte Des tensions, oui, il y en a eu. Je me doute bien entre passionnés, conteurs. C'est vrai, parce que les conteurs sont passionnés, sont très bavards, voilà. Mais ils sont passionnés. Oui, on avait nos coups de cœur, et puis on était dans l'excitation et le bonheur d'écrire, de réécrire toutes ces histoires. Et puis il y a l'imagination du conteur aussi, qui entre dans l'écriture. Oui. Et puis, il faut dire que moi, j'étais plutôt sur le comique un peu olé olé, hein, les grosses poitrines, les souvenirs des gens qui étaient un peu gras parfois, hein, comme il y en a dans toutes ces vies de paysans. Et Guylaine a amené un regard de femme, hein, c'est-à-dire une certaine délicatesse, même dans le comique. Donc, vous trouverez des contes où les amours de Jean avec l'Augusta, la grosse poitrine couverte de bijoux, la femme des filatures, la grosse riche, et ça a été le grand amour d'Augustin, vous trouverez cela, mais vous trouverez aussi une façon de parler de remords et remords à entraigues avec énormément de délicatesse, alors que c'est une histoire foncièrement comique et que Guylaine Traite m'a amené, nous a amené avec beaucoup de délicatesse. Donc, l'avantage de ce livre, et là je vous le vends, c'est que c'est à la fois un livre de femme écrit par une femme et un livre d'homme un peu charnu écrit par un homme un peu comme ça. Donc tout le monde peut s'y retrouver et ça c'est important. Moi j'ai beaucoup aimé justement ce conte Mort et Remords, j'ai beaucoup ri. Oui. Mort et remords, je dois dire que c'est un conte qui m'a été raconté par une institutrice à Saint-Marcel d'Ardèche. Je faisais une soirée conte, et là, souvent après les soirées, les gens viennent vous rencontrer, ils vous disent « Ah, mais moi j'ai une histoire », c'est là où ça enrichit notre répertoire.
Elle s'est assise et elle m'a dit, écoutez, voilà, j'étais institutrice à Entraigue. Et voilà, voilà l'histoire. Et elle m'a raconté Mort et remords, qui est absolument extraordinaire. On peut peut-être en donner quelques détails du début pour donner envie à nos amis. Qu'est-ce qui se passe, ce petit garçon qu'on envoie C'est un petit garçon, c'est le moment du ramassage des châtaignes. Et ils habitent une ferme très isolée au-dessus de la Bastide de Juvinas. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent l'Ardèche, dans la Bastide de Juvinas se trouve, vous avez la coupe des Acs, qui était propice quand même à la pousse des châtaigniers. Et puis de l'autre côté, ben, vous avez Entraigue, qui est connue d'ailleurs parce que par le fameux chanteur Jean Ferrat. D'ailleurs. Voilà. Et au moment où ils sont, le premier jour de châtaigne, où ils sont à table, eh bien le pépé, il est pris d'une toux, il devient violet, il pousse gras, et sa fille anticipe. Et elle lui dit, bon, ben, pépé, il ne passera pas la nuit, on a besoin de tous les bras. Et elle dit à son jeune fils d'une dizaine d'années, écoute Léon, mets tes galoches, on va déclarer la mort de Pépé à Entraigue, tu vas partir, tu vas marcher, parce qu'avant on disait qu'en Ardèche, il valait mieux avoir naître avec des bonnes jambes plutôt qu'avec une bonne tête, parce qu'il fallait beaucoup marcher. Et voilà que le garçon, il va faire le chemin de la ferme isolée jusqu'à la Bastide de Juvinas, et il va déclarer la mort de Pépé, mais il va se passer bien des choses au cours de ces allées et venues entre la ferme et la mairie. Voilà, parce que quand il revient, qui a été faire la déclaration, voilà. Hein, quand il dit mon pépé est mort, hein, donc au maire qui va retirer son l'employé registre municipal. Où le registre est vraiment poussiéreux, voilà, et lorsqu'il revient à la ferme, le pépé va bien. Ah oui, le pépé, il s'est levé avant le champ du coq, et il est dur comme un marron, et elle lui dit, écoute petit, reprends le chemin, c'est pas bon de déclarer un mort qui est vivant, et en plus, on pourrait avoir des ennuis avec la gendarmerie. Évidemment, on ne va pas raconter évidemment la fin, mais voilà, ce genre d'histoire, de conte, fortement bien raconté. Vraiment, je trouve que c'est vraiment, ça fait partie des jolis livres que l'on doit avoir lorsqu'on est un passionné de ce beau pays qu'est l'Ardèche. Est-ce qu'il y en a d'autres prévus sous ce format? Ça donne presque l'idée, et je suppose que vous l'avez eu. On a l'éditeur? On a l'éditeur. Eh bien, monsieur l'éditeur. Voilà, l'éditeur donc de Plume d'Ardèche, je veux dire, voilà. Bonjour. Enchanté. Enchanté également. Voilà, on va sans doute avoir la réponse. Voilà, donc je repose la question, savoir est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, est-ce qu'il y a une suite à cet ouvrage qui donne... Voilà, ça donne presque l'envie d'en avoir d'autres, dans la même collection, voyez-vous. C'est vrai qu'un ouvrage comme ça est très alléchant et nous donne espoir, nous donne de l'espoir pour la suite, pourquoi pas, notre vie ou nos comptes, mais les hasards de la vie... Nous ne sommes pas certains d'avoir de tels projets, pourquoi pas. Ceci dit, cet ouvrage rentre dans une collection, dans ce type de format, avec un ouvrage que nous avons édité précédemment, Saison d'Hélène, 150 ans de cuisine familiale en Ardèche. Donc c'est le deuxième de la collection. Simplement, il y en aura un troisième. Francis Brunner, merci en tout cas d'être venu. Donc vous êtes l'éditeur donc des éditions Plume d'Ardèche. On espère vous revoir en tout cas très prochainement avec d'autres livres de votre maison d'édition. Sans aucun doute, nous sortons 2 à 3 livres par an. Très bien, merci beaucoup et au plaisir. Merci. Peut-être poser une question à Jean-Marie et à Guylaine. Est-ce qu'aujourd'hui, cet ouvrage sorti, est-ce qu'il vous comptez les histoires qu'on retrouve dedans, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui se fait pour les touristes qui vont bientôt arriver Alors, chaque fois qu'il y a une dédicace, moi, je raconte des histoires de Justin, mais aussi des histoires de ma commune, où il se passe énormément de choses, bien qu'on soit 8 habitants. Donc, en particulier en période électorale, c'est le grand bouleversement. Et vous savez, organiser des élections à 8, c'est pas facile, parce que tout le monde devine à peu près qui vote pour qui. Mais donc nous avons une vie très active autour de la mairie, et je raconte à travers mon spectacle Chemin du Justin et de la mairie de Roux et de toutes ces aventures extraordinaires de ma petite commune. Et je passerai le 19 juillet à la ferme de Bourlatier, en principe à 20h30. J'essaye d'avancer un peu vers 18h pour que les gens d'Aubenas, qui ont souvent peur de la route, puissent rentrer sans avoir peur du loup,
parce qu'il y a le loup. Méfiez-vous maintenant quand vous allez là-haut. Il y a le loup. Donc, le 19 juillet, je donnerai un spectacle où il y aura toutes mes histoires d'Ardèche. Voilà, à la ferme pour la Donc ça, c'est votre actualité, Jean-Marie Simon. C'est mon actualité. Guylaine, votre actualité. Ben oui, moi, je vous raconte, je continue à raconter. Et je suis à Saint-Laurent-les-Bains, je suis invitée un peu partout dans les festivals en ce moment, donc pour raconter les histoires, pas que les histoires de Justin. Ça s'appelle, quand je raconte les histoires de Justin, ça s'appelle « Sous le châtaignier ». Je raconte aussi... Les chansons de Jean Ferrat. Vous connaissez le châtaignier, la chanson de Jean Ferrat? Pas bien, mais... Ah, écoutez-la, cette chanson. Ah, ben d'accord. C'est un conte. D'accord. J'ai d'ailleurs collecté une histoire sur la châtaigne que m'a raconté une vieille dame. Et voilà, donc peut-être à l'avenir, ça sera peut-être édité à nouveau parce qu'il y en a plein d'histoires. Je continue ce collectage auprès des... Oui, justement, voilà, vous parlez de ce collectage. Est-ce que vous continuez justement à rencontrer les anciens du plateau, rencontrer d'autres? Moi, je continue et ça nourrit mes spectacles aujourd'hui. D'accord. Et avec d'autres histoires. Très bien. Michel, projet. L'actualité, c'est tous les jours prendre l'appareil, partir. Oui, j'ai un gros reportage sur. C'est toujours sur l'Ardèche, mais c'est sur les hôtels restaurants. D'accord. C'est la même chose. Mais c'est très intéressant. Voilà, donc, pour moi, j'ai toujours des projets de livres, j'ai des deux en préparation. Pour un qui devrait sortir normalement, qui était prévu fin d'année, mais je ne sais pas quand, à cause de retard. C'est sur le peintre Mallet, maître du Rhône. Donc, j'ai tout fait les photos et les reproductions des tableaux. Avec les auteurs, c'est Michel Mouchet. Ouais. Donc, celui-là. Puis j'ai un autre livre en préparation aussi sur. Ben, c'est un peu la gastronomie, c'est avec un restaurateur du coin, un peu de côté de, on va dire, de Saint-Dieu. Et là, ben, on se sert de ces plats pour, je parle de ces plats, et là, ces plats, j'ai des cortiques, on remonte jusqu'au producteur, au paysage, au produit. Si vous deviez résumer, je sais que c'est très difficile pour les conteurs que vous êtes, de résumer en un seul mot ou deux, trois mots ce livre, un message. Quelque chose à dire, ce que vous pourriez, ce que vous aimeriez dire. Eh bien, c'est important parce qu'à travers ce livre de Justin, on voit cette Ardèche, c'est pas une Ardèche passéiste, non. C'est une Ardèche tournée vers l'avenir. Et ça, c'est important. Ouais. Et je dis qu'aujourd'hui, par exemple, on vit une société, bon, c'est vrai qu'il n'est pas facile, et que finalement, écouter la parole des anciens pour préparer l'avenir, eh bien, c'est très important. Et puis, c'est plein d'espoir aussi. Et l'Ardèche, c'est une terre d'accueil. Ça, c'est important de le dire. Et on le montre à travers nos histoires. Un peu plus qu'un mot, mais c'était plutôt bien fait, plutôt court. Bravo. Un mot, vivant. Vivant. Le Jean Forgier nous a quitté il y a 2 ans, mais il a su me transmettre la vie, celle des autres, son amour de son Ardèche, et ce livre... qui commence soi-disant par sa mort et qui n'est pas sa mort, le mot « résurrection » est tellement vrai, parce que ce livre « Justin des Montagnes » ressuscite mon voisin, mon ami, Jean Forgier, et ressuscite toutes sortes de gens qui nous ont ramené leurs histoires et qui sont aussi décédés. Et ils sont là et ils sont toujours vivants. Donc c'est sur ce mot de résurrection et du côté vivant que l'on va terminer cet entretien, cette rencontre avec vous. En tout cas, très joli livre, je vous invite à lire aux éditions donc, Plume d'Ardèche, Justin des Montagnes, Histoire d'Ardèche. Donc Guylaine Tédurand, Jean-Marie Simon et Michel Rissouan. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs de Drôme Ardèche TV. À très bientôt pour une autre émission de Culture et vous. Merci. Merci.
All that glitters is gold, and she's